Hello, my name is Mark Meert. I am a member of the Belgian Civil Aviation Authority. We are with six people in our team to handle everything about drones, and I would like to give you some information about guide pratique pour la catégorie spécifique of the and practice guides for the category specific. Wij merken dat er veel mensen een aantal vragen hebben in verband met de nieuwe dronewetgeving. En om te starten met de nieuwe dronewetgeving wil ik eerst en vooral zeggen dat de oude dronewetgeving niet meer bestaat. De nieuwe dronewetgeving is vooral gebaseerd op risico. De nieuwe dronewetgeving, daar werken we met autorisaties die maximum 2 jaar geldig zijn. Nieuwe dronewetgeving is ook van toepassing in 31 EASA member states. En je hebt ook geen bevestiging meer nodig voor elke vlucht, behalve natuurlijk in geografische, in geozones. Nu, belangrijk om vermelden is ook dat we spreken over categorie open, specific en certified. Categorie open is niet helemaal zo dat je overal kan vliegen met de open licentie en daar gaan we zo dadelijk wat meer informatie over geven. Sommige mensen denken, ik heb mijn licentie open A1, A3 of open A2, ik kan overal vliegen. Spijtig genoeg is dit niet waar. Om de drie categorieën kort even te overlopen: open, specific en certified. En dan vervolgens ook de use space die eraan komt. Er zijn een aantal regels die je moet kennen. Want het is namelijk zo dat als u een aantal regels of één regel van open niet respecteert, dan gaat u automatisch in specific terechtkomen. Een ander punt dat ik graag zou willen aanhalen, ou un point important que je voudrais quand même toucher, c'est que on est dans une zone de mission. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a pas encore un drone qui a un label CX. Ça fait que il y a quand même quelque chose d'important à dire, point de vue les règles pour voler avec des drones plus lourds que 250 grammes. Si on a un drone plus lourd que 250 grammes et après 31/12/2022, d'office, vous allez tomber dans la subcatégorie A3. L'exception, c'est un drone qui pèse moins de 250 grammes. Là, il va suivre ou continuer à suivre les règles dans la subcatégorie A1. Pour parcourir en très court la catégorie Open, donc c'est basé sur le poids et la distance à partir des gens. Donc, de plus lourd le drone est, de plus on doit s'écarter des gens. Et pour le A1, A3, il y a la limite de 14 ans. C'est-à-dire, à partir de 14 ans, on peut participer à l'examen online. Pour le A2, donc ça, c'est l'examen qu'on doit suivre au DGTA. Là, qu'est-ce que ça vous donne comme possibilité en plus? C'est que vous pouvez vous rapprocher, au lieu de 150 mètres des gens horizontal, vous pouvez vous rapprocher jusqu'à 50 mètres. Mais il y a des conditions, c'est-à-dire vous devez suivre un examen au DGTA et vous devez remplir un document du self-training. Et la dernière chose, c'est que possible à partir de 16 ans. Maintenant, catégorie open et en dehors les géozones, il y a beaucoup de possibilités. Mais des vols plus complexes, ils touchent très vite aux limites de la catégorie open. Et là, je vais arriver pour vous donner quelques exemples. Quand est-ce que vous allez tomber d'office en spécifique s'il y a un des paramètres ici en bas qui n'est pas suivi? C'est-à-dire quand le maximum take-off mass est plus grand que 25 kilos, si vous voulez voler d'une hauteur plus haut que 120 mètres AGL, above ground level, ou 400 pieds, ou si vous faites un vol BVLOS, Beyond Visual Line of Sight. En plus aussi, si vous ne savez pas garder la distance dans laquelle on trouve la description en open, à ce moment-là, vous tombez d'office en spécifique. Donc, important à dire, attention, s'il y a un des paramètres qui n'est pas respecté en open, d'office, vous tombez en spécifique. Puis aussi important à dire, pas mal de gens pensent que les géozones, pas de problème, on peut voler en open, mais il y a quand même aussi quelques restrictions. Par exemple, les géozones,
le port d'Anvers, là, on a besoin d'une licence spécifique pour voler là-bas. Dans ce cas ici, EBR 54, le port d'Anvers. Mais encore plus important à savoir, ce sont autour des CTR, par exemple le VLL 0. Là, pas mal de gens savent qu'ils doivent avoir un spécifique. Pour le VLL 1, pas mal de gens savent aussi. Mais ce qui est quand même important à mentionner, c'est que aussi le VLL 2, dans certains cas, vous avez besoin d'un spécifique. C'est-à-dire, quand vous faites un vol en VLL 2, Very Low Level Zone, de 150 pieds ou plus haut, donc 50 mètres ou plus haut, above ground level, là, vous tombez d'office en spécifique. Et en plus, si le maximum take-off mass est plus grand que 900 grammes. Donc, quand même important à mentionner que pas chaque zone géo-zone, il y a quand même aussi des règles à suivre parce que vous tombez en spécifique. Quelque chose de très récent, c'est-à-dire le site web de SKYES, à partir du 17 décembre, ils ont renouvelé le portail. Et je vais vite vous donner de l'info concernant ce portail. Parce qu'avant, ça marchait en deux étapes pour obtenir l'information pour des géozones. Maintenant, tout ça se passe sur un site. Donc, vous allez vers le site web map.drone.be. Puis, vous allez cliquer sur « View ». Après, vous allez voir la carte générale. Donc, la carte générale que vous connaissez. Si c'est rouge, c'est une zone active. Si c'est jaune, c'est une zone qui va devenir active dans quelques heures. Si c'est une zone avec un cadre rouge, ça veut dire que c'est une zone qui n'est pas active. Si on prend l'exemple, par exemple, du port d'Anvers, quand on clique là-dessus, on voit quelles sont les limites du zone. Et quand on va, et ça c'est important à savoir, quand on va cliquer sur Access Conditions, à ce moment-là, il y a moyen d'obtenir l'information pour voler dans ce zone-là. Donc ça c'est nouveau, c'est que sur le même site, il y a moyen d'obtenir la dimension des zones, mais aussi d'avoir les access conditions. Dans ce cas ici en bas, vous voyez quelles sont les access conditions et aussi les liens vers les documents à remplir. En spécifique, je voudrais quand même donner une fois un overview et après je vais revenir plus en détail. En spécifique, quelles sont les possibilités pour voler? Premièrement, en Belgique, on a le scénario standard en Belgique. C'est pour les vols VLOS, Visual Line of Sight, de 120 mètres d'hauteur maximum. Et ça, c'est possible avec une déclaration. Donc, je vais revenir en détail sur les possibilités après. Après, il y a aussi les possibilités avec le nouveau système européen. Donc, c'est un PDRA ou un SORA. Là, l'avantage, parce que c'est la loi européenne, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser dans des autres pays que la Belgique. Juste encore à mentionner que la différence entre un PDRA-S ou un PDRA-G, c'est qu'un PDRA-G, ça c'est prévu pour des drones avec un label CX. PDRA-S, c'est spécifiquement pour un drone sans label CX. Et forcément, il n'y a pas encore des drones avec un label CX, donc on est obligé d'utiliser celle-là pour voler. Maintenant, je commence avec le spécifique, la première étape, je dirais, c'est le scénario standard belge. Quels sont les avantages, les désavantages? Les avantages, c'est que c'est déclaratif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification de votre dossier avant de commencer votre premier vol. Dus de voordelen en nadelen van een vlucht in specifiek met het Belgisch standaard scenario. De administratie die is ook beperkter. Dus het is zo dat je moet natuurlijk een operational manual hebben, dus volgens de regels van het standaard scenario. En je hebt ook een licentie nodig als piloot natuurlijk. De nadelen, dat is dat de limieten, dus je bent eigenlijk beperkt tot het Belgisch grondgebied. En nog een nadeel is dat niet alle geozones laten toe dat je vliegt met een standaard scenario, een Belgisch standaard scenario.
Nog te vermelden, twee puntjes te vermelden. Dus de controles die gebeuren dus niet op voorhand als je dossier indient bij het DGLV, maar de controles die gebeuren op het terrein als u dus de vlucht uitvoert. Dat kan een standaardcontrole zijn. En nog een ander punt wat belangrijk is om te vermelden: de licentie die u nodig heeft, is ofwel heeft u een licentie in oude klasse 1. Dat is een mogelijkheid, omdat u daar een examen afgelegd heeft, een standaard, een praktijkproef, of een onder het Europees systeem bent u verplicht om via een van de scholen te gaan, een van de officiële scholen. En ik wil daar toch vermelden dat het belangrijk is om via een officiële school te gaan. Die zijn vermeld op onze website onder Centre de Formation, dus opleidingscentra, om te vermijden dat u een opleiding volgt en dat u dan geen officieel attest krijgt. Dus gelieve daar zeker naar te kijken dat die scholen voorkomen op onze website. Dan. Al die details kan u ook nalezen op het ministerieel besluit van 29 december 2020 in verband met het standaardscenario. Dan de limieten, of een kort overzicht eigenlijk. De vluchten, dat is voor toestellen met maximum 22 kilogram. Met een hoogte van 120 meter AGL, above ground level, en enkel voor vluchten VLOS, Visual Line of Sight. U kan ook zien dat de afstand van de veiligheidszone eigenlijk, dat die in functie is van het gewicht van de drone en de hoogte dat u vliegt. Als we dan een stap verder gaan, dan komen we na het Belgisch standaardscenario komen op een PDRA. En een PDRA is eigenlijk een voorgekoude SORA, zal ik zeggen, waar dat het grondrisico en het luchtrisico al van vastliggen. Bij een PDRA, wat zijn de voordelen daarvan? Dat is dat je kan dat gebruiken in alle EASA member states, wel met nog een controle van een cross-border controle. En die kan u ook in alle geozones gebruiken, ook in de geozone bijvoorbeeld van de haven van Antwerpen. Het nadeel is dat u dat dossier eerst moet indienen bij het DGLV en dat wij dus een inzage moeten hebben in het dossier en dat moet goedgekeurd worden en gecontroleerd worden. Wat dat misschien ook een nadeel is, of gewoon een extra workload, is dat u zich volledig moet voldoen aan de OSO's, dus de Operational Safety Objectives van een SAIL-2-operatie. Hier omschrijf ik nog even het feit van dat de Ground Risk Class en de Air Risk Class, die zijn voorheen bepaald. Dus een Ground Risk Class van 3, Air Risk Class van B. En dan komt u op een SAIL-2 terecht. De timing is afhankelijk van het dossier, hoe volledig dat het dossier is, alvorens dat u kan vliegen. De limieten hiervan zijn een beetje gelijkaardig aan een Belgisch standaardscenario, maar maximum 25 kilogram, hoogte 120 meter AGL en Visual Line of Sight flight. Als we dan nog een stap verder gaan, dan komen we tot een SORA. En een SORA. Ik ga hier heel kort overlopen wat een SORA eigenlijk inhoudt. SORA is veel complexer dan een PDRA en een standaardscenario. Je maakt eerst een COLOPS, dus Concept of Operations. Vervolgens bepaalt u een Intrinsic Ground Risk Class. Met de mitigaties dat u dan gaat toepassen, bepaalt u een Final Ground Risk Class. Vervolgens gaat u een Initial Air Risk Class aanmaken. Met de mitigaties voor het air risk gaat u naar een final air risk class komen. Die twee samen, ground risk en air risk, dat geeft u dan een SAIL. Die SAIL die zorgt ervoor dat u in de OSO's kan kijken aan welke regels dat u moet voldoen voor de OSO's. Als u dat allemaal doet, moet u nog eens nakijken wat dat ook uw aanliggende zone is. Als u vliegt naast een luchthaven of vliegt naast een aangrenzende zone waar geen luchthaven is, maakt ook een verschil. Ten slotte, de voorlaatste stap, als al die mitigaties volledig voldaan zijn, als u dat kan aantonen bij ons, dan krijgt u dus een toelating om te vliegen. Dus een SORA ontwerpen is niet zo evident in ieder geval. Pour parcourir une fois, point de vue SAIL, quelles sont les possibilités en SAIL? Donc maintenant, en SAIL, on a SAIL 1 ou 2, ça c'est 1 ou 2 par exemple. Ça c'est possible maintenant avec un SORA. Quand on va plus loin vers un SAIL 3 ou 4, là,
Il y a la EASA Design Verifications qui sont nécessaires et qui ne sont pas encore tous defined. Et quand on va avec un seal de 5 ou 6, forcément, c'est EASA Certified UAS. Donc, votre UAS, votre drone, doit être certifié par la EASA. Là aussi, pas toutes les règles sont déterminées. Bon, ce qui peut vous aider, c'est certains cas que nous on reçoit où c'est difficile pour traiter un dossier. Une des choses, c'est que quand on reçoit un dossier avec un seal plus haut que 2, suivant les conditions, les possibilités technologiques, c'est pas encore possible de traiter un seal plus haut que 2. On a connaissance en Europe, à Danemark, d'un dossier, d'un seal 3, qui est maintenant le premier dossier qu'ils sont en train de faire. C'est un gros opérateur dans l'aviation qui est en train de faire des tests. Mais ça, c'est le seul cas de lequel on sait le seal 3 qui se développe maintenant. Une autre possibilité, c'est que si on reçoit une demande qui est trop générale. Donc, malheureusement, one size does not fit all. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs drones de taille différente dans une seule demande, si le ground risk est différent, si le air risk est différent, il n'y a pas moyen de traiter ça dans un seul SOR. Encore une autre chose qu'on reçoit de temps en temps, c'est que il y a une surestimation du robustness. C'est-à-dire, dans la mitigation ou dans les ozos, low, medium ou high. Low et medium, ça c'est possible quand vous avez un bon dossier. High, c'est que possible quand il y a une autre compagnie qui approuve ça, par exemple le EASA. Et puis, parfois on reçoit des dossiers que plus de 1000 pages ou des milliers de pages, parfois. Le problème, c'est que c'est difficile à retrouver toutes les infos là-dedans. Mais pour cela, nous, on a mis quelques templates sur notre site web, ce que vous allez retrouver tout au fin de la présentation, sur lesquels vous savez vous baser pour donner des références à partir du template vers où ça se trouve dans votre dossier. Donc, ça, c'est quand même important de toujours travailler avec des références vis-à-vis du. Des questions sur le template vis-à-vis donc vers votre CONOPS et Operational Manual. Puis pour introduire un dossier chez nous, donc vous devez vous connecter au Drone Portal qui est sur notre site web. Vous pouvez télécharger maximum 3 documents en PDF, de préférence PDF compressed. Et tout le reste, s'il y a plusieurs autres documents à nous envoyer, on demande de faire ça en utilisant notre mailbox airpass.ops. Maintenant, peut-être le cas le plus intéressant pour cette séance, c'est je vais vous donner un casus d'un Bivilos flight over populated area in Belgium. Ce casus, qu'est-ce qui est important à ce casus? Donc, je vais parcourir en vite un SORA, les 10 steps, et puis donner encore un peu plus d'infos si c'est possible ou pas. Un Bivilos en Belgique, c'est forcément sur des distances plus longues. Et un Bivilos en Belgique, parce qu'on est tellement un pays avec dense population, ça va presque toujours voler sur populated area. Ça veut dire que moi je considère ça, ce Bivilos overpopulated area, avec un drone, avec quand même un taille assez grand pour avoir un peu de endurance. On tombe dans un Initial Ground Risk Class de 6. Après le Initial Ground Risk Class, on va voir quelles sont les mitigations qui sont possibles pour réduire le risque. Si on a un risque de low, donc vous voyez en vert, si en low, ça c'est déclaratif, si vous voulez utiliser, c'est là, vous devez mettre dans votre CONOPS, donc où vous devez mettre dans votre explication, donc déclaratif, vous devez dire où ça se trouve dans votre CONOPS Operational Manual. Si vous voulez utiliser le
medium mitigations. Ça, c'est que possible quand vous avez vraiment un bon dossier et si c'est avec du proven data. Donc, pour utiliser le robustness medium, vous devez avoir un bon dossier, mais ça doit être avec du proven data. La troisième étape, si vous voulez utiliser le robustness high, ça doit être confirmé par un competent third party, par exemple le EASA. Dans ce cas ici, on va traiter ça comme c'est un bon dossier, donc on peut réduire le initial ground risk avec 3 points parce que c'est un bon dossier avec robustness medium et donc du 6 initial ground risk, on arrive au final ground risk de 3. On a donc déterminé d'abord le ground risk, maintenant on va déterminer le air risk. Le air risk, on va considérer qu'on vole moins que 500 pieds AGL, above ground level, et qu'on vole en operations in mode Sea Veil ou TMZ. Mode Sea Veil, c'est donc, on a l'aéroport et 30 nautical miles ou 54 km autour de l'aéroport, ça commence le mode Sea Veil. Ça veut dire en Belgique, quand on regarde les aéroports le plus important et on va dessiner un cercle de 54 km autour, par exemple Liège, Charleroi, Bruxelles, Anvers ou Ostende, ça veut dire qu'on a presque toute la surface de la Belgique. Donc, c'est pour cela que j'ai pris l'arc C. Ça, c'est Initial Air Risk Clause. Je ne considère pas des possibilités pour Strategic Mitigations. Pourquoi? Parce que c'est un automatic flight ou automated character. Donc, je garde le Air Risk Clause C comme Residual Arc. Qu'est-ce que ça nous donne comme SAIL? Donc, le Final Ground Risk combiné avec le Final Air Risk, c'est 3 et Arc C, ça nous donne un SAIL de 4. Un SAIL de 4, ça demande donc un EASA Request Design Verifications du drone. Écoute. Bon, qu'est-ce que ça nous donne au point de vue de possibilité? Malheureusement, le BV Loss Over Populated Area en SAIL 4, ce n'est pas encore possible en Belgique parce que, pour plusieurs raisons, parce que 7 des 24 oiseaux ils sont en high et les oiseaux doivent être approuvés par un third party, par exemple le EASA. Deuxième raison, c'est Detect and Avoid entre Manned Aviation. C'est pas encore possible sur toute la surface de la Belgique parce qu'il n'y a pas le ADS-B coverage possible sur basse altitude et la nuit éloignée des aéroports. Et troisièmement, entre les drones, il y a un Detect and Avoid qui n'est pas encore opérationnel via Remote ID. Mais, to make this operation possible, donc il y a moyen de faire cette opération possible, c'est en réduisant le arc. Quand on vole dans un U-Space environment, c'est possible. Mais le problème là, c'est que c'est à partir du 26 janvier 2023 que c'est opérationnel. Voler dans un atypical airspace, ça c'est aussi une possibilité. Donc, c'est arc A. Mais ça, c'est uniquement possible quand on vole dans un TSA. Et une autre possibilité, c'est BV Loss Over Controlled Terrain. Donc, c'est adapter l'opération. En utilisant une sorte de DSA app que Skies fait, par exemple. Une autre possibilité, bien sûr, c'est d'adapter l'opération. Par exemple, quand on va adapter le vol pour voler sur Sparsely Populated Area ou de voler dans du airspace less dense. Une chose à mentionner quand même, c'est le TSA. Ça, c'est utilisé pour des événements exceptionnels. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer pour un business chaque semaine, mais c'est uniquement pour des événements exceptionnels.
Encore une autre possibilité en spécifique, c'est de travailler avec un LUC, Light UAS Operating Certificate. Mais d'abord, je vais quand même, eerst ga ik toch even overlopen wat we zo net gezegd hebben. Dat is ten eerste in toenemende vorm van complexiteit hebben we eerst het standaard scenario, waarbij je dat indient, een declaratie ingeeft en je kan starten met de operatie na het betalen van de benodigde som. Vervolgens een iets complexer is een PDRA, waar dat je dus een dossier moet indienen voor autorisatie, dat de DGLV dat moet controleren en dat je vervolgens kan starten met het operatie met operatie. Als dat niet gaat, dan is er een SORA dat moet opgemaakt worden. Hetzelfde in op een operatie aanvragen of een autorisatie aanvragen, waardoor het gecontroleerd wordt en dat je nadien kan starten. En tenslotte is er een mogelijkheid van een LUC, zijnde een Light US Operator Certificate. Daar is het veel complexer. Je moet een safety management system in plaats stellen, een proven track record hebben. En vervolgens ook een autorisatie indienen, waarna dat u kan starten. Om even terug te komen op die LUC. In Europa zijn er tot nu toe 4 LUC-certificaten uitgegeven. En dat is data van 1 juli 2021. Dus die LUC-certificaten die zijn uitgeschreven en die zijn nu nog onder review van de EASA. En nog even herhalen, voor een LUC-certificaat is er dus een safety management system dat moet ontworpen worden, proven track record, een high level of experience needed in aviation en een structuur die eigenlijk gelijk loopt met een luchtvaartmaatschappij. Pour clôturer, je voudrais toucher, on a parlé de open specific et maintenant certified. Quand est-ce qu'on tombe en certified? Il y a trois paramètres très importants que je voudrais quand même en parler. C'est quand on a un CL plus haut que 7, on est d'office en certified. Quand on fait le transport de dangerous goods ou quand on fait le transport des gens. Un des paramètres là, on tombe d'office en certified. Encore quelques chiffres que je voudrais quand même vous partager, c'est que en 1er juillet en Belgique, on avait plus que 8 000 opérateurs et là on tombe un peu au milieu du peloton, je dirais. Maintenant, je peux vous dire qu'on a déjà surpassé les 10 000 opérateurs en Belgique. Et point de vue de autorisation, SORA plus PDRA, en Belgique aussi, 1er juillet 2021, on a eu 9 autorisations. Donc là, de nouveau, on tombe un peu au milieu du peloton vis-à-vis les EASA Member States. Donc, pour terminer, je voudrais vous montrer ce cercle qu'on doit toujours parcourir quand on veut faire un vol, une opération. D'abord, voir si le vol en open est possible, peut-être avec un drone moins lourd. Si ça, ce n'est pas possible, on peut le faire en standard scénario belge. Si ça, ce n'est pas possible, il y a donc le PDRA S01 qui est peut-être possible. Si ça, ce n'est pas possible, forcément, on doit aller vers un SORA avec un CL de maximum 2. Et si c'est un CL 3 ou plus haut, le vol n'est pas possible et on doit donc changer l'opération. Si vous avez plus de questions, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à airpass.ops ou nous téléphoner chaque mardi ou jeudi. Je voudrais quand même encore toucher encore un point. C'est, du point de vue de l'EASA, il y a un site web qui est mis en place pour to declare an occurrence, c'est-à-dire quand vous avez eu un incident avec un drone, quand il y avait des blessés, quand vous devriez faire vers un docteur ou l'hôpital, ou quand il y a un autre avion, aircraft, qui est involved, qui est touché par cet incident. Il y a un site web, www.aviationreporting.eu, que vous pouvez facilement atteindre pour faire le reporting du occurrence. Je vais juste vite vous montrer comment ça marche. C'est très facile et on peut faire ça sans laisser vos coordonnées. Donc, c'est quelque chose qui peut nous aider à rendre le secteur mieux et en toute sécurité. Donc, avec cette occurrence reporting, c'est quelque chose d'important à avancer
point de vue sécurité en utilisant les drones. Donc, report an occurrence, quand vous cliquez là-dessus, il y a la possibilité de dire I report on my personal behalf. Et puis, vous tombez dans un champ dans lequel vous devez choisir la Belgique pour que le rapport va arriver chez nous. Là, vous pouvez faire le rapport sans registrer. Et puis, il y a moyen d'utiliser votre propre template ou le template du l'EASA, qui est plus facile. Ça, c'est le template. Après, il y a encore moyen de attacher quelques documents ou photos. Et si vous voulez d'ajouter du personal details, mais vous pouvez, il y a moyen de faire ça sans laisser votre personal details sans problème. Puis vous cliquez sur submit et voilà, c'est envoyé. Les deux dernières slides, ici, c'est les abréviations que je vais quand même vous montrer. Et très important, le Useful URL Links. Je vous invite de les parcourir parce qu'il y a aussi, entre autres, le EASA SORA Methodology, un YouTube workshop que vous pouvez suivre là-dessus. Ou, encore important à mentionner, le Frequently Asked Questions de l'EASA ou du DGTA. Puis, je voudrais terminer par dire Safety is the main driver for the Belgian Civil Aviation Authority. Privacy, security and environment are three other items that every pilot is accountable for when executing a flight. Donc, veiligheid, dat is onze main driver, maar natuurlijk privacy, security en environment, omgeving, dat zijn drie andere zaken waar je als piloot ook rekening moet mee houden. Donc, je vous remercie pour suivre cette séance et à bientôt.